Bonjour à tous. Donc on se retrouve pour une présentation d'un achat que je viens de faire, donc qui m'a coûté 300 euros. Donc j'ai investi dans une casting Leadbait. Donc c'est un ensemble, donc j'ai acheté le moulinet et la canne qui vont avec. Donc on va commencer par la canne, donc c'est une canne Eva Pironi. C'est une 50-180 grammes, donc pour balancer, vous voyez, c'est encore, c'est petit comme l'heure, ça fait 45 grammes. Donc je suis vraiment pas à la taille d'une bait, hein. Je peux bien au-dessus. Donc j'ai ma canne, voilà. Donc en anneaux, il y en a 2, 4, 6, 8, 9. Il y a 9 anneaux, donc très serrés, comme ça. Voilà, j'espère que vous voyez. Voilà. Donc la canne, donc je répète, c'est une évoque erronée. Et j'ai acheté le moulinet, donc le voici. C'est le casting ironie aussi. Donc le 201 UH, donc avec le frein magnétique. Donc j'ai mis des dans ce moulinet, j'ai un produit de la 13 28 centièmes de chez c'est de la Braid, donc 28 centièmes, donc ça fait à peu près 27 kg. Et j'ai fait donc j'ai enlevé du fureau, en fait c'était une longueur de canne, mais j'en ai fait deux parce que je voulais avoir du rab. C'est un fureau carbone 80 centièmes, donc en bait, hein, j'ai préféré rester monté lourd. Donc voilà, du 80 centièmes avec un nœud comme ça à grappe. Je vous montrerai peut-être, je pense, une vidéo où on est comment faire ces nœuds sans nœud. Enfin, c'est hyper simple comme nœud. C'est une simple agrafe et franchement, bah ça tient. Donc voilà, donc là je suis en 80 centièmes. Le nœud est présenté, la canne est présentée. Donc 300 euros comme j'ai dit. Alors la particularité du moulinet, c'est que apparemment c'est un moulinet anti-perruque. Donc apparemment il fait pas de perruque, donc j'ai eu l'occasion pour l'instant, j'ai fait aucune perruque. Hein. Pourtant j'ai beaucoup de fleurons. J'ai galéré à faire mon EFG, parce que c'était la première fois que j'en faisais un. Mais au bout d'une heure, j'ai réussi à enfin le faire. Je préférais que ça tienne, je préférais que ce soit propre, qu'il passe bien dans mes anneaux, donc je l'ai refait plusieurs fois. Donc voilà, donc c'était la présentation de ma canne casting. Donc je remontre, voilà le moulinet. La casting, bah, vous aurez le temps d'avoir en vidéo parce que j'ai beaucoup pêché en casting. Donc voilà, il y aura une vidéo où je pêche en casting qui arrivera bientôt. Donc je suis désolé, j'ai pas été trop sur le cul en ce moment avec le boulot et tout, j'ai plus beaucoup de vacances. D'ailleurs j'ai plus de vacances pendant un an. Donc j'essaye de vous sortir un maximum de vidéos, mais c'est assez compliqué. Donc j'espère que vous comprendrez et donc voilà. Donc c'était la présentation de ma canne casting, j'espère que ça vous aura plu. Il y aura bientôt le test qui arrivera sur la chaîne, j'espère faire un poisson avec, elle sera baptisée. Donc voilà, c'était Jojo, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me fait toujours plaisir, merci. Thank you.